Star Academy, Yanis Marshall outré par l'accoutrement d'une élève, il pousse un coup de gueule. Un détail de la tenue de la Benjamine de la Star Academy, Tiana, n'a pas du tout plu à Yanis Marshall, le célèbre professeur de danse de la saison 2022. Le professeur de danse de la Star Academy, Yanis Marshall, a encore frappé. Désormais célèbre pour ses punchlines, c'est à Tiana que le danseur professionnel a, cette fois-ci, lancé un tacle. 10 candidats sont encore lisses pour cette édition 2022. Parmi eux, la Benjamine, Tiana, qui n'a plus d'une minute de répit. En effet, la compétition se resserre progressivement et les élèves donnent tout pour ne pas se retrouver sur le banc des nominés. Mais ils ont encore du pain sur la planche. En témoignage la réflexion de Yanis Marshall pendant son cours de danse, ce lundi 31 octobre. Le professeur a été interpellé par le style vestimentaire de son élève. Le protégé de Kamel Wally n'a pas sa langue dans sa poche. Il ne se gêne pas non plus pour recadrer les jeunes académiciens. En témoigne sa réaction, lors d'une précédente quotidienne, lorsque Léa avait osé bailler lors d'un coup. Ben vas-y baille, tu sais que ça, c'est super mal poli, on ne te l'a jamais dit? Crochet ouvrant, crochet fermant, je te le dis, comme ça tu l'entends pour la prochaine fois, tu te mets dans un coin et tu bailles discrètement, avait-il asséné. Ce lundi 31 octobre, ce n'est pas Léa qui a fait les frais des remontrances de son professeur, mais Tiana, la plus jeune de la compétition. C'est de ta génération, c'est ça? A-t-il demandé à la jeune femme en la voyant arriver au fourchaussé de ses claquettes. Le danseur ne s'est toutefois pas contenté d'une simple réflexion. Yanis Marshall ne mâche pas ses mots vis-à-vis de son élève Tiana visiblement très choquée. Yanis Marshall a tenu à interroger la jeune femme sur son choix de porter des claquettes dans le château. C'est quoi ça? C'est un délire? Un effet de mode du château? Tu n'as que ça en fait? Des talons et des claquettes? À chaque fois que je te vois, t'es en claquettes, ce n'est pas possible ça. A-t-il lancé, provoquant le mutisme de Tiana. Moi on m'a toujours appris que c'était des chaussures pour rester à la maison. C'est dégueulasse en plus, vous marchez dehors avec, vous rentrez dans la salle il y a de la boue partout. A-t-il poursuivi, cache, des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Une situation qui n'est pas sans rappeler les critiques formulées par Laure Vallon sur le comportement de Julien lors du dernier prix. Les internautes avaient été surpris par ces mots, qu'ils avaient alors qualifiés de harcèlement.